Bonjour, ici Jean-Sébastien Saillat, directeur Sommet Edelweiss. Cette année, la montagne se joint aux autres stations du groupe Les Sommets et dit adieu aux billets papier et bienvenue au portillon automatisé GoPass. La vidéo suivante vous explique la marche à suivre dans l'utilisation de la carte GoPass. Pour débuter, il est conseillé de réserver votre billet en ligne sur sommet.com. À votre arrivée à la billetterie ou à la borne GoPass, le préposé vous remettra votre carte GoPass. Cette carte, munie d'une puce, est automatiquement lue lors de votre passage au portillon d'accueil. Vous devrez placer la GoPass sur le haut de votre corps. Isolée et éloignée de votre cellulaire, de tout appareil électronique ou de papier aluminium se retrouvant parfois dans les emballages de gomme à mâcher, afin de ne pas créer d'interférences lors de votre passage au portillon d'accueil. Ne faites surtout pas de trous dans votre carte. Cela risquerait d'endommager la puce. Votre carte est maintenant réutilisable pour les 5 prochaines années. Ne la jetez pas à la fin de la saison. Vous pourrez la recharger grâce à l'achat en ligne. Votre carte placée dans votre manteau, vous pouvez maintenant vous diriger vers la remontée. Les portillons d'accueil font la lecture de votre carte, peu importe où elle sera placée dans votre manteau. Placez-vous sous l'arche des portes, attendez patiemment quelques secondes, les panneaux ouvriront sous peu pour donner accès à la remontée mécanique. Si le portillon ne fonctionne pas du premier coup, reculez d'un pas et réessayez en positionnant la carte près du lecteur. Voilà, il ne reste plus qu'à apprécier votre journée de ski.